Les PDGistes pensent qu'ils ont la garde présidentielle avec eux, ils se trompent. S'ils pensent qu'ils ont l'armée avec eux, ils se trompent. Je ne céderai à aucune pression, d'où qu'elle vienne. C'est le moment pour Ali Bongo de partir. J'ai été à l'intérieur du pays. Les images existent. Ceux qui sont venus au meeting n'étaient pas payés. Ils n'ont pas été transportés. Ce ne sont pas des militaires. Parce que lui, on va dans les casernes, on chante de tenue au fort de l'or et on fait masse. Non, c'est le Gabon tout entier qui s'est levé. J'en appelle à la communauté internationale et j'espère qu'on a bien écouté ce que j'ai dit. Aucune négociation ne sera possible. Je ne serai pas le premier ministre d'Ali Bongo. Il est temps, après 60 ans de pouvoir, qu'Ali Bongo parte. J'attends qu'il donne des instructions à ces jeunes gens qui magouillent dans l'ombre pour leur dire, à la fin de la journée de demain, Albert Ondossa doit être déclaré vainqueur. Je dis que la porte est claire, la sortie est claire. On leur aménagera une porte de sortie. Aucune menace ne pèsera sur la famille Bongo, je m'en porte garde. En revanche, si on me provoque, on rencontrera ce qu'on va chercher. Je vous remercie.